Salut, aujourd'hui nous allons parler de l'intégrale d'une fonction. Voilà, je sais que vous avez déjà vu ce signe quelque part. Plus ou moins f. Voilà, ce signe, vous avez déjà vu quelque part, mais vous ne savez pas aujourd'hui c'est quoi. En fait, c'est l'intégrale de ici, notre fonction f. Et c'est quoi l'intégrale? C'est ce qu'on va maintenant définir en grand N. Donc ici, on aura définition. Donc ici en définition, on va prendre une fonction f qui est continue. On met ici f continue sur quoi? F continue sur un intervalle AB. Voilà, donc f est continue sur un intervalle AB. Vous devez retenir que une fonction est continue sur son ensemble de définition. Voilà, donc si AB est inclus dans l'ensemble de définition, alors f aussi est continue sur AB. Voilà. Donc, on prend f est continu sur AB et on prend aussi grand F par sa primitive. Grand F la primitive de petit f. Voilà. On sait un peu comment déterminer la primitive. Voilà. Donc, ici, on a f qui est continu sur AB et grand F la primitive de f. Voilà. On va appeler ici intégrale de f. Mais ici, on appelle intégrale. On appelle intégrale de f, en fait c'est une valeur. L'intégrale en fait c'est une valeur. L'intégrale de f sur AB, la valeur intégrale, est-ce que vous voyez? AB, f de x. Donc c'est ce qu'on appelle intégrale de f sur l'intervalle AB. C'est bon? Et ça va nous donner quoi? C'est bien égal à. On nous dit la primitive de f en B d'abord. Moins grand f de A. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler l'intégrale de f. L'intégrale de f, en fait, c'est ça. Mais c'est égal à grand F représente la primitive de petit f. Donc grand F de B moins grand F de A. C'est en fait le bornes de notre intervalle. Voilà. Donc ici, lorsqu'on vous donne ça, la première des choses à faire, c'est chercher la primitive de petit f. Dès que vous avez la primitive, alors, puisque la primitive c'est une fonction, voilà. Donc vous calculez l'image de B par la primitive de f et l'image de a, et on fait la soustraction, on trouve notre intégrale. On fait un exemple pratique. On met ici exemple. Ici, un exemple, on prend f de x est égal à 5x est 64. Et nous, on va chercher la primitive. 5x est 64. On sait comment trouver la primitive. Voilà. La primitive. Pour trouver la primitive, en fait, vous devez savoir que ça, c'est une dérivée. Si ça, c'est une primitive, alors c'est que petit f, c'est une dérivée, en fait. Donc, c'est comme si on avait déjà dérivé une fonction. Et puis, on a eu ça. Maintenant, chercher la primitive, revient à chercher, c'est quelle fonction la dérivée pour avoir ça. Voilà. Dès que vous trouvez cette fonction, alors, c'est celle qui représente la primitive de f. Donc, lorsqu'on regarde ça bien, c'est quelle fonction on peut dériver pour avoir x est 64. On sait que la fonction x exprimant n, lorsqu'on dérive, le n descend et puis l'exprimant diminue de 1. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, si ça c'est une dérivée et on voit x exprimant 4, c'est que en fait c'est x exprimant 5 qu'ils ont dérivé et puis ça a diminué de 1. Est-ce que vous voyez? Du coup, c'est x exprimant 5 qu'ils ont dérivé. Mais est-ce que ce qui est devant, ça représente 5 puisqu'on dit que c'est n qui descend? Donc ici on voit bien que dérivée de x est 25, c'est égal à 5x est 24. Du coup, ça, c'est x est 25 qu'ils ont dérivé. Voilà. Donc on va mettre ici, f de x est égal à x est combien? 5. Tranquille. Parce que c'est ça qu'on dérive pour avoir ça. Ça, c'est une primitive. C'est une primitive. Si on cherchait les primitives, on en avait plus c.
Voilà. Mais ici, on a dit que grand F est une primitive. Voilà, ici, on met grand F, une primitive de petit F. Voilà, c'est une primitive. Voilà. Du coup, dès qu'on a eu la primitive, on met alors l'intégrale de F de X. Bon, ici on va écrire, d'abord F de X sur l'intervalle. Ici, on demande de calculer sur l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1. C'est ce qu'ils nous dit. Donc on va prendre 0, 1 de f de i de i. On met tout de i est égal à l'intervalle de sur 0, 1 de combien? 5 i exposant 4 de i. Ici on nous dit que c'est bien égal à f de b. Donc ici on a f de b, c'est combien? C'est ce qu'il y a en haut qui s'appelle b. Donc on a f de 1 moins f de 0. Voilà. Du coup, l'intégrale de f de x sur l'intervalle 0, 1 va bien nous donner f de 1. Et on va remplacer le x par 1. F de 1, exposant 5, moins f de 0, on remplace le x par 0, moins 0, exposant 5. Ça va faire 1. Voilà, du coup, on met ici une ligne. Que l'intégrale de f de x sur 0, 1 est bien égale à 1. Voilà. Donc voici comment calculer l'intégrale d'une fonction. Vous voyez comme c'est facile? C'est très facile. On va prendre un coup, intégrale. Ici on nous donne intégrale de 1 sur x sur l'intervalle 2, 3. Voilà, de x. Ici, on va toujours chercher la primitive de cette fonction en fait. Voilà. Donc, quand je cherche la primitive de ça, on sait que 1 sur x, c'est quelle fonction qu'on dérive, on trouve 1 sur x. Si vous vous souvenez bien, vous allez voir que c'est ln de x. Quand on dérive ln de x, on trouve 1 sur x. Du coup, la primitive de 1 sur x, c'est quoi? C'est ln de x. Voilà. Du coup, ici, on aura. Ici, ça va nous donner. La primitive va nous donner en fait ln de x. Voilà. Sur l'intervalle 2, 3. Et ici, on nous dit, on fait d'avoir l'image de. Ça, c'est f de x. On fait d'avoir l'image de celui qui est là, moins l'image de ça. Nous avons ln de 3, comme je dis ici, l'image d'abord de ce qui est en haut. Nous avons ln de 3 moins ln de 2. Voilà. Et si on veut simplifier, ça va faire ln de 3 de i. Du coup, l'intégrale de tout ça là, 1 sur x de x sur l'intervalle 2, 3, va bien nous donner ln de 3 de i. Voilà. Donc, voici un peu comment calculer l'intégrale d'une fonction. C'est un peu ça. On va maintenant passer à des propriétés qui nous permettent de calculer plus facilement l'intégrale d'une fonction. Voilà. En parlant de propriétés, nous allons d'abord voir, nous allons mettre propriétés. Et d'abord, nous allons voir la relation de charge. Relation de charge. Donc, charge nous dit quoi concernant l'intégrale? Charge nous dit que l'intégrale de A, l'intégrale, pardonnez, de f de x, on ne dit pas l'intégrale de A, on dit intégrale de f de x sur l'intervalle A, B plus l'intégrale de sur f de x, dx sur b, c égale à l'intégrale de. Ici, si vous remarquez, on a ab, puis le même b se répète ici. Est-ce que vous voyez? Du coup, les deux, lorsqu'on le met ensemble, les deux b vont se confondre. Et il va justement que ac. Donc ici, f de x, dx sur l'intervalle, début et puis la fin. Donc parfois on peut demander de calculer des sommes d'intégrales. Si vous remarquez que la borne de fin de l'autre est égale à la borne de début de l'autre, de l'un, alors cette somme-là va donner début et puis la fin. Voilà. Donc retenez ça, ça va beaucoup vous aider dans les calculs d'intégrales. Voilà. On va donner maintenant une propriété qui nous dit que
l'intégrale de AB, pardon, l'intégrale de f de x, excuse-moi, l'intégrale de f de x, sur l'intervalle AB est égal à l'opposé de B à l'intégrale de f de x de x. Donc ça va être l'intégrale de f de x de x sur l'intervalle BA. Vous voyez que les bornes, ce sont, on intervertit les bornes ici. Voilà. Du coup, lorsqu'on intervertit les bornes, il y a un moins qui apparaît. Donc ça, c'est très important. Ça va beaucoup nous aider. Voilà. Ici encore, on a une propriété qui nous dit l'intégrale de alpha f de x de x sur l'intervalle AB. Le alpha, en fait, puisque le alpha ne dépend pas de x, parce que quand on fait l'intégration, on intègre sur x. On est de x, donc on intègre sur la variable ici, en fait. Donc on intègre sur x, puisque alpha ne contient pas de x, le alpha peut sortir. Donc on va faire ici, alpha intégrale de f de x, de x sur l'intervalle AB. Donc lorsqu'on a ça, on précise que alpha appartient à R. Alpha c'est R, qui ne dépend pas de x. Voilà. Donc voici un peu la propriété que vous devez retenir. On va faire des encore ici pour mieux comprendre. Ici en S, on nous dit petit a égale à intégrale de sinus 2x moins 1 de x sur l'intervalle 0 pi. On demande de calculer cette intégrale. Voilà. Donc nous ici, c'est ce qu'on va faire. On va laisser intégrale de intégrale sur 0 pi de qui? De sinus 2x moins 1 de x. Voilà. Donc ici, on veut calculer cette intégrale. Mais on sait très bien qu'on doit d'abord chercher la primitive de notre fonction qui est ici. Est-ce que vous voyez? Or, si on veut trouver la primitive, c'est que ça même, c'est une fonction qui est dérivée. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une dérivée. Et on a trouvé la primitive. Mais c'est quelle fonction, lorsqu'on dérive, on trouve sinus? On se souvient que c'est un peu, c'est cosinus. Est-ce que vous voyez? Mais ici, c'est la composée de deux fonctions, de sinus et de ça. On sait très bien que f rond g, dérivé de f rond g, on dérive d'abord g. Ça va g' et on dérive ensuite f' de g. C'est bon? Donc normalement, il devait avoir la dérivée de ça ici. Mais ce n'est pas là. Est-ce que vous voyez? Mais on sait que le dérivé de 2x moins 1, c'est quoi? C'est 2. Donc nous, on peut mettre un 2 ici. Voilà, pour respecter la forme. Donc on aura l'intégrale de 1 demi multiplié par 2. Le 2 qu'on veut, on met ça ici. Mais on ne peut pas mettre comme ça un 2. C'est pourquoi on a mis 1 demi. Je dis que quand les 2 se multiplient, ça va donner 1. Le 1 qui est là. Voilà. Donc si on met 2, on va mettre 2 aussi au dénominateur. Donc ça va 1 demi fois 2, tout sur l'intervalle 0, pi de sinus 2x moins 1 de x. On n'a rien changé, on a seulement ajouté 2 et 1 demi. Parce que c'est un défi, on revient à ça. Voilà. Du coup ici on aura le 1 demi, c'est ce que la propriété nous dit, 1 demi ne demande pas de x, donc ça va sortir. Du coup on aura 1 demi ici, intégrale de 2 sinus de 2x moins 1 de x sur 0 pi. Voilà. Donc on voit bien ici que ça respecte la formule de notre dérivée. Dérivée de cosinus 2x. Mais il me semble que la dérivée de cosinus même, il y a un moins qui est dedans. Est-ce que vous voyez? Donc si jamais on peut mettre le moins, on peut mettre le moins ici, le moins, et en même temps on met un moins ici aussi. Comme ça, quand il y a deux moins c'est multiplié, ça va donner plus. On ne met pas quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Si on met un moins ici, on met aussi un moins ici, pour que les deux puissent simplifier. Mais nous, ce moins, en fait, on aura besoin de ça. Voilà. Donc, on voit bien que nous en avons moins 1,5. Et ça, c'est bien la dérivée de cosinus de 2x moins 1. On sait qu'on dérive d'abord ça. Ça fait 2. Dérivée de cosinus avec moins sinus de tout ça, de 2x moins 1. Donc vous voyez que ça c'est vraiment la dérivée de cosinus. Voilà. Donc du coup
coup, la consonne de 2 moins 1 sera en fait notre primitive ici. Voilà. Donc ici, on met, lorsqu'on trouve la primitive, on met ça en crochet. C'est le cosinus de combien? 2x moins 1. En crochet, et on met les bonnes. 0, i. Voilà. Après ça, on a moins 1,5. On va regarder les images. On a regardé d'abord l'image de celui qui est en haut. On dit B d'abord, F de B d'abord. Lui là, moins lui. Donc on dit la parenthèse. Ça va être cosinus de 2 fois 2, ça va être 2π. Ça va être 2π moins 1. Voilà. Moins. Cosinus de 2 fois 0, ça fait combien? 0. Donc il va rester moins 1. Donc ici on aura cosinus de combien? De moins 1. Voilà. Du coup, voici un peu. Cosinus de 2π moins 1. Bon. Nous, on n'a pas trop besoin de calculer. On peut séparer, mais. Est-ce que ça va, en quoi est-ce que ça va nous aider? Bon, ça peut nous aider, mais lorsqu'on s'arrête là, on peut s'arrêter là en fait. Sinon, chercher à décomposer en cosinus de A plus B. Est-ce que vous voyez, cosinus de A plus B, décomposer ça jusqu'à l'E. Mais nous, c'est pas notre objectif. Nous, on veut apprendre à calculer l'intégral. Dès qu'on finit de remplacer, on laisse comme ça. Ouais. Bon, si vous pouvez continuer aussi, vous continuez, c'est pas. Aussi, on va faire ça. 2x moins 1, de x. Voilà. Du coup, voici l'intégrale. Voici l'intégrale de notre fonction. Voilà. Alors ici, en petit b, on nous demande de calculer l'intégrale de ça. Donc, on a ici l'intégrale de l'intégrale sur moins 1, 0, de moins 1, sur 4x plus 1, au carré de x. Voilà. Donc ici, on a une calculée, c'est cette intégrale. Et c'est toujours la même logique. Chercher la primitive de ça. On sait que ça, c'est une fraction rationnelle. Si on me demande de trouver la primitive de ça, c'est que ça, c'est une dérivée en fait. Est-ce que vous voyez? C'est une dérivée. Donc, si c'est une dérivée, il va chercher c'est quelle fonction ils ont dérivée pour voir ce qu'elle a. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on aura? Il y aura 1 sur ça au carré. Oh, c'est que dérivé de 1 sur g, c'est quoi? C'est g prime moins g prime sur g carré. Je vois une fonction carré. Alors, je pense en même temps la forme 1 sur g. Du coup, la primitive, sûrement, est sous la forme 1 sur g. Mais on continue un peu pour voir si c'est vraiment ça. Donc, ici, regarde bien. Si c'est vraiment la forme 1 sur g, alors ce qui est en haut doit être la dérivée de g. Donc, on voit ici, la fonction qui est en haut, c'est la dérivée de ce qui est là. Voilà. Lorsqu'on dérive 4x plus 1, ça va donner 4. La dérivée de 4, c'est 4. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça va donner 4. Mais en haut, on n'a pas 4. Mais le 4, on peut mettre facilement. Donc, on met. Le moins aussi est déjà là. Ça nous arrange. Après ça, mais n'oubliez pas, lorsqu'on met 4, on met aussi un quart à côté. Multipliez par moins 4. 4x plus 1 au carré de x. Donc ici on voit bien que ça respecte la forme de la dérivée de 1 sur g. Voilà, le moins est là. Le g pour une dérivée de ça, c'est celle-là. G au carré, on dit g au carré. Sur un demande moins 1, on voit bien que ça, c'est la dérivée de quoi? De 1 sur 4x plus 1. Du coup, la primitive, c'est 1 sur 4x plus 1. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Maintenant, le 1 quart, puisque lui il ne demande pas de x, c'est un alpha. Le alpha va sortir. Donc, ça va faire 1 quart intégrale de quoi? Moins 1, 0, moins 4. Sur 4x plus 1 au carré de x. Voilà. Donc, dès qu'on a fini de mettre sous la vraie forme de notre dérivée, on va maintenant prendre, ça va faire un quart en crochet, on met la primitive en crochet, la primitive, il n'y a pas la primitive, la primitive. La primitive de ça, en fait, c'était quoi?
1 sur 4 x plus 1. En crochet, et on met les bornes, moins 1, 0. Et si ça va nous donner toujours un quart. Et on a pu d'avoir l'image de celui qui est en haut. Ça fait 1 sur. 1 sur quoi? 4 fois 0, ça fait 0. Plus 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 moins l'image de moins 1. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc ça fait moins 1 sur 3. Voilà. Moins ou moins 1, ça fait plus. Donc ici, on aura 1 quart. Facteur de 1 plus 1 tiers. Parce que le 1 quart rentre, ça va faire 1 quart plus 1 douzième. Bon, ici on peut avoir le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc ça fait, on multiplie en haut et en bas par 3. Avec 3 plus 1, ça fait 4. 4 douzième, on sait que ça fait combien? 1 tiers. Voilà. Du coup, ici, notre intégrale, si on est devant moins 1, 0, est bien égal à 1 tiers. Voilà. 4 x plus 1 au carré. Merci. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut se défendre. Voilà. Donc en petit c, maintenant, on nous demande de calculer l'intégrale de x facteur de x carré moins 5 au cube. De x sur l'intervalle 0, racine carrée 3. Donc ici on aura x facteur de x carré moins 5 cube de x sur l'intervalle 0 racine carré 3. Voilà. Donc on va toujours chercher la commutative de ça. On va chercher la commutative de ça, ça veut dire que ça c'est une dérivée. Donc c'est quelle fonction on dérive et puis on a ça. Alors ici on a le produit de deux fonctions. Une fonction, lorsqu'on dérive, on a le produit de deux fonctions. On réfléchit un peu. Ici, on voit une fonction exposant. Ça nous fait penser par exemple à f exposant n. Dérivée de f exposant n. C'est là, on dit le n descend. On fait f prime. Et puis après, c'est quoi? F exposant n moins 1. Voilà. Donc, si on arrive à démontrer que la fonction qui est là, c'est la dérivée de f. Et puis, le n aussi doit être là. Alors, ça, c'est bien la forme f exposant n. Voilà. Du coup, ici, on va voir. Dérivée de ça, x carré, ça fait 2x. Dérivée de 5, c'est 0. 2x, oh, ici, on a x. Bon, le 2, c'est pas grave. Nous, on peut ajouter. C'est quand il n'y a pas x dedans qu'il y a plus de problème. Si c'est 2, c'est moi qui me manque. Si c'est un réel qui me manque, on peut ajouter le réel. Voilà. Donc, ici, on peut ajouter le réel. Mais, si ici, c'était x exposant 3, on dit x exposant n moins 1. Du coup, il devait avoir un n. Un, ça plus 1, c'est-à-dire 4 quelque part ici, pour qu'on puisse avoir n. Mais après le 4, mais non, puisque c'est un réel, nous on peut mettre ça. C'est pas grave. Voilà. Donc ici, on peut transformer un peu notre intégrale en q sur 0, racine carrée de 3, le 4. Bon, si on met 4, c'est qu'on met 1 là. Voilà. Multiplie par. On doit mettre encore un 2. Donc on met 1,5. Multiplié par 4. Voilà. Multiplié par 2. De 2 x ça. X carré moins 5. Exposant 3 de x. Voilà. Donc ici. Ici, voici un peu ce qu'on obtient. On a mis le 4 à cause de l'exposant. Parce que quand l'exposant descend, c'est 4 qui descend, donc ça devient 1. En mettant le 4, on met un quart. On doit mettre aussi 2, parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. En mettant 2 aussi ici, on met 1,5. Voilà. Du coup, 1 quart fois 1,5, on dit que ça peut sortir. Donc, on met ça dedans. Ça fait 1 huitième. Intégrale de 4 fois 2x, x carré moins 5 au cube, de x sur 0, racine carrée de 3. Voilà. Donc ici, on voit bien que ça, c'est la dérivée de quoi? De x carré moins 5 exposant 4. Voilà. Donc on a bien retrouvé notre primitive. Comme ça, on pourra mettre maintenant un crochet. On met la primitive toujours en crochet. Ça va faire x carré moins 5 exposant 4. C'est ça qu'on dérive pour avoir ça.
Tout ce qui est des valeurs 0, c'est une règle 3. Voilà. Et après, on dit, on va faire l'image de la fonction en racine carrée de 3. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. 3 moins. Bon, on va écrire. Avec racine carrée de 3 au carré moins 5, exposant 4. Moins l'image de 0 maintenant. 0 au carré moins 5, exposant 4. Ce qui va nous donner un huitième. Racine carrée 3 au carré, ça va combien 3. 3 moins 5, ça va faire moins 2. Donc on aura moins 2, exposant 4. Moins 0 au carré, ça va faire 0. Moins 5. Ça va moins 5, exposant 4. 2 au carré, c'est 2 fois 2. Ça fait 4. 2 fois 2 encore. Ça fait 4. 4 au carré, 16. Du coup, ici on aura un huitième. Multiplié par 16. Le moins va partir parce que l'exposant est pair. Ici aussi, le moins va partir parce que l'exposant est pair. Moins 5 exposant 4. On sait que ça fait 5 fois 5. Il fait 25. 25 fois 25. Si nous ne mettons pas, ça va faire. Bon, on va vérifier. Hein. Ça va être 625. Voilà. Donc ici, on aura 625. Ce qui va nous donner ici, on va tout calculer. 16 moins 625. Ça va nous donner moins 203 sur 6. Donc l'intégrale en fait ici de x carré moins 5 au cube de x sur l'intervalle 0 racine carrée de 3 est bien égal à moins 203 sur 6. Donc voici un peu comment vous devez vous défendre. Comment traiter l'exercice de sur l'intégrale voilà, concernant cette partie. Voilà, c'est un peu ça. Ici, on va maintenant parler de la valeur moyenne de f. Voilà. C'est-à-dire, on prend une fonction qui est continue. Une fonction qui est continue, quoi. Sur un intervalle AB. Voilà. Sur un intervalle AB. Voilà. Ici, il faut retenir que vous voyez qu'à chaque fois qu'on écrit l'intervalle, c'est fermé. Voilà. L'intervalle fermé AB. Voilà. Il peut arriver des cas où on doit ouvrir. Mais ça, c'est un autre chapitre. Voilà. Là-bas, on va parler des intégrales. Peut-être. Je ne sais pas généraliser ou quoi. Mais ici, on retient que les intervalles en fait sont fermés. Voilà. Donc ici, F est contenu sur AB. On met ici soit M, la valeur moyenne, la valeur moyenne de. C'est bon? La valeur moyenne de F en fait, ça fait égal à 1. Est-ce que vous voyez? Sur B moins A. Et l'intervalle 1 sur B moins A. Intégrale. Tout sur l'intervalle AB. De F de X. De X. Voilà. Donc voici un peu la formule de la valeur moyenne d'une fonction. Voici un peu comment on calcule la valeur moyenne. On va donner une fonction par exemple, une fonction qui est égale à f de x, par exemple f de x est égale à x partir de x carré moins 5 exposant 3. Et ici on demande, on dit que cette fonction est contenue sur l'intervalle 0, 2. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on prend un intervalle 0, 2. Fermé bien sûr, et ici on demande de calculer la valeur moyenne. Donc ici, calculer M de F, la valeur moyenne de F. On va tout simplement appliquer la formule. Ici on sait que la valeur moyenne en fait c'est égal à quoi? 1 sur notre B c'est combien? 2. Donc on dit B moins A. Donc 2 moins 0, ça va faire 2.
Bon, on va écrire 2 moins 0. Intégrale sur 0, 2. Degré x, x carré moins 5. Exposons 3 de x. Voilà. Du coup, ici, ça va nous donner 1 demi. Intégrale de 0. Intégrale sur 0, 2. X. X carré moins 5. 3. Voilà. Ça, ici, on fait la même chose. J'ai la probabilité de ça. Ça va 1 demi. On sait que c'est la forme f exponent n. Mais dérivé x carré, c'est 2x. Il y a un 2 qui manque. Normalement, la fonction, c'est x exponent 4. C'est quand la dérivée qui est devenue 3. Du coup, il y a un 4 qui va venir ici. Donc, on met le 1 quart du 4 là. On met le 1 demi du 2 qu'on a mis ici. Et puis, on écrit 4 fois 2. Et donc, on ajoute 4 et 2. Mais en même temps, on ajoute 1 quart et puis 1 demi. 2x, x carré moins 5. Voilà. Dérivée aussi de x carré moins 5, c'est 2x. Ça, ça va donner 0. Parce qu'il y a 2x. Parce que le 4 est descendu. Donc, on aura ça ici. Du coup, le 1 huitième va encore sortir. Si ça sort, ça va multiplier 1 demi. Ça fait 1 seizième. L'intégrale de... L'intégrale va 4 fois 2 x par 2 de x carré moins 5. Exposant 3 de x. Voilà. Ici, on aura 0, 2. Ça va nous donner ici 1 sur 16. Et ici, on sait très bien que ça... Sa primitive, ça sera quoi? X carré moins 5. Exposant 4. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dérive ça, on obtient ce qui est ici. Donc ça, c'est la primitive de ça. Voilà. Donc, toujours sur l'intervalle 0, 2. Il faut calculer la primitive. L'intégrale va donner 1 sur 16. On cherche d'avoir l'image de 2 par notre fonction. Donc on va remplacer ça par 2 au carré. Moins 5, exposant 4, moins l'image de 0, ça va être 0 carré, moins 5, exposant 4. Voilà. Du coup, ici, on aura 1 sur 16, 2 au carré, ça fait combien? 4. 4 moins 5, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 exposant 4. C'est... Puisque l'exposant est pair, donc ça fait 1. Moins 0 carré, ça fait 0. Moins 5, 5 exposant 4, ça va faire 625. Donc, on aura moins 625. On prend une caractéristique rapide là. Ici, 1 moins 625, ça va faire 1 sur 16, multiplié par. Bon. On aura ici 624. 624 sur 16. On va voir si on peut simplifier. 624 par 16, par 16. Donc la 624 divisé par 16 qui nous donne 39. Donc ici la valeur moyenne de M est bien 39. Voilà. Donc voici la valeur moyenne de F. Voici comment on calcule la valeur moyenne d'une fonction. Voilà. Le calcul qu'on vient de faire, le calcul de la valeur moyenne, notre M en fait, c'est. On avait trouvé 39, mais c'est moins 39 en fait. On a fait une erreur. Parce que si vous reprenez un peu la vidéo, vous allez voir qu'on aurait eu 1 sur 16, 1 moins 625. Et 1 moins 625, ça fait moins 624. Oh non, nous on a mis 624 sur 16. Et ça donne bien moins 39. Donc ce sont des erreurs de signes qui peuvent arriver. Donc 1 égale à moins 39. Donc quand vous travaillez, après avoir travaillé, remontez un peu pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur de signes parce que. Parfois ça peut arriver, en mathématiques ça arrive. Voilà, mais il faut toujours vérifier le résultat avant de conclure. Donc ici, après vérification de la vidéo, il y a ici moins qui a sauté. Du coup, ici on a moins 124 et on trouve bien la valeur moyenne est égale à moins 39. Voilà, c'est un peu ça. Parlons maintenant du théorème de comparaison. Voilà, ici, le premier théorème de comparaison, d'abord avant de parler des théorèmes, il faut dire que la fonction qu'on va utiliser ici, c'est une fonction qui est continue. Voilà, ici, l'intégrale, il faut que la fonction continue sur notre intervalle en fait. Voilà. Donc, on va prendre soit une fonction, soit f continue sur ab.
Voilà. Encore une fonction f qui est contenue sur un intervalle AB. C'est bon? Et ici, on dit que si A est inférieur ou égal à B, et f même, on s'en rend compte que f est une fonction qui est positive. Alors, l'intégrale de f de x sur l'intervalle AB là sera comment? Sera positive. Donc vous demandez qu'une intégrale est positive ou l'intégrale d'une fonction est positive, il faut d'abord montrer que f est continu et positive aussi. Est-ce que vous voyez? Donc f doit être positive sur une intervalle et puis f aussi doit être continue. Alors l'intégrale aussi sera positive. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on va prendre maintenant deux fonctions f et g. C'est bon? Donc on prend deux fonctions f et g. F est continu et g aussi est continu sur un intervalle, si bien un intervalle AB. Donc on met ici f et g continue sur AB. Voilà. C'est bon? Maintenant, on a dit que si on s'en rend compte que f est supérieur ou égal à g, on met ici alors. Ça veut dire alors. Alors, l'intégrale de f sur l'intervalle AB, f de x est aussi supérieur à l'intégrale de quoi? AB g de x. Voilà. Donc ici, la condition pour que l'intégrale de f soit supérieure à l'intégrale de g, c'est que les deux fonctions d'abord soient continues d'abord sur l'intervalle. Et la deuxième condition, c'est que f soit supérieur à g. Voilà. Donc parfois, ce sont les théorèmes qui vont me permettre de faire des démonstrations. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas toujours calcul, mais parfois, si ceux qui sont qui font les filières scientifiques, voilà, peuvent demander de faire des démonstrations. Donc ce sont des théorèmes que vous allez utiliser pour faire ces démonstrations en fait. Voilà. Donc on va passer à un autre théorème qui est précisément le théorème de l'accroissement fini. Donc ça, on appelle ça accroissement. Le théorème de l'accroissement fini. Le théorème dit quoi? Le théorème dit que on a une fonction qui est continue sur un intervalle. Donc f est toujours continue. On a f qui est continue. F est continue sur quoi? Sur AB. Okay. Maintenant, si bon, F est continue sur AB, et puis A est toujours inférieur ou égal à B, A est plus que B. Voilà, ça c'est. Voilà. On ne peut pas connaître ça, mais il faut tenir compte de ça aussi. C'est bon? Donc si on a pu encadrer F par deux réels, M et puis grand M, on met M et grand M appartient à quoi? À R. Donc si f, si la fonction même est comprise entre deux réels, petit m et grand M, alors l'intégrale sera aussi encadrée, mais par quelle valeur? Par cette valeur. On met ici comme ça, l'intégrale de f de x sur ab sera encadrée par petit m b moins a. Pour ça, parfois on appelle ça amplitude. Voilà. B moins A. Et ici, grand M, le grand M qui est là, facteur de B moins A. Donc c'est ce qu'on appelle accroissement fini. Ça, c'est le théorème de l'accroissement fini. Voilà. Parfois, ça peut vous aider à faire des démonstrations. Donc ce sont des choses que vous devez connaître. Voilà, comme j'ai dit. Voilà. C'est pas toujours que vous devez faire des calculs. Mais on peut vous dire encadrer l'intégrale de ça. Par, voilà. Donc vous pouvez vous servir de ça. Pouvoir faire des démonstrations. Voilà. Donc c'est tout ça concernant l'accroissement fini. On va voir un théorème aussi. Le théorème aussi d'air. Parfois on peut demander de calculer l'air. Est-ce que vous voyez? L'air d'un domaine. Est-ce que vous voyez? On a un domaine qui est délimité par exemple par A et B. Est-ce que vous voyez? On a X. X est délimité par quoi? A et B. Et puis ici on a Y qui est délimité par 0 et puis
Voilà. Ce qui veut même dire ici que la fonction doit être une fonction qui est d'abord continue, mais aussi positive. Est-ce que vous voyez? Donc ici on met f est continue et positive. Positive, ici qu'un intervalle, tu peux aussi AB. Voilà, A inférieur à B. Hein? Voilà. Donc ici, intervalle fermé, fermé. Voilà. Donc ici, on a f qui est continue et positive sur AB. Et puis on met capter l'air d'un domaine. Et ce domaine-là est délimité par. Allez, il s'est délimité par AB. Allez, c'est un repère quoi. Il y a un repère AB. Et puis Y aussi est encadré par 0, f de 10. On demande de calculer l'air. L'air en fait, c'est l'intégrale. Tout ça veut dire calculer l'intégrale. Voilà. Donc si on demande de calculer l'air d'un instant intégral, vous devez savoir que c'est l'intégrale de la fonction. Est-ce que vous voyez? C'est l'intégrale de la fonction. Donc si donc l'air en fait, c'est égal à l'intégrale de quoi? Voilà, l'intégrale de f de x sur x. Parce que vous prenez l'encadrement de x à b. Maintenant, ce que vous allez trouver là, vous allez trouver forcément une valeur. On met de x. Vous allez forcément trouver une valeur. 2, 3, et vous mettez l'unité d'air. Si c'est centimètre carré, si c'est mètre carré, vous mettez. Est-ce que vous voyez? Donc ici on met une unité d'air ici. Voilà. Sinon, vous devez retenir que le calcul d'air en fait c'est une intégrale. C'est l'intégrale d'une fonction. Voilà. Seulement qu'ils vont préciser, on va dire, du domaine délimité par. Ça veut dire c'est l'intervalle qui est là. C'est l'intervalle qui va donner comme ça. Voilà. Donc ça, ça vous permet de faire, comme j'ai dit, des démonstrations, des calculs, tout ça. Donc retenez ça et puis je pense que ça va vraiment vous aider. On va maintenant parler de l'intégration par partie. Voilà. Ça, c'est une notion qui est très très importante en calcul intégral. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, la propriété dit on va prendre deux fonctions, U et V. Deux fonctions dérivables. Deux fonctions dérivables. Dérivable sur quoi? Sur l'intervalle AB fermé. Voilà. Donc ici, on nous dit que l'intégrale de U' de X, V de X, bon, on va, c'est un peu long, donc on va faire ça doucement. U' de X, V de X, de X, sur l'intervalle AB. On nous dit que c'est égal à U de X, V de X, et on va calculer l'image de ça, U de X par V de X, tu sur B, A, moins intégrale de quoi? U de X, V prime maintenant, de X, D de X, tu sur l'intervalle AB. Voilà. Donc ici, on a l'intégrale du produit de deux fonctions. Mais on s'en rend compte que cette fonction, en fait, c'est une dérivée. Est-ce que vous voyez? Donc ici, si on remarque ça, c'est la dérivée d'une fonction. Et ici, on voit que c'est une fonction. Le produit de ces deux fonctions, hein, comme calculeur intégrale. On nous dit d'abord, on met ça en crochet, on cherche U de X. Parce que si on a U de X, c'est que on peut avoir U de X. Voilà, c'est la primitive de U de X. Si on a la primitive, on met ça ici. Ça, on prend la même fonction, mais ici, on multiplie les deux. On calcule l'image de la fonction qu'on va voir sur l'intervalle AB. Ça, on sait comment faire. L'image d'abord de B moins ça, l'image de A. Voilà. Moins, ici maintenant, c'est un calcul intégral. On prend toujours la primitive de U qu'on a eue et on multiplie ça par la dérivée de V. Voilà. Du coup, ici, avant de commencer à calculer, lorsqu'on vous donne cette fonction, il faut d'abord chercher quoi? La primitive de U, voilà, U de X, et puis chercher la dérivée de V. Comme ça, arrivé ici, on remplace simplement et puis bon, c'est fini. Donc, c'est ce qu'on appelle intégration par partie. Voilà. On va faire des exemples pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Donc, ici, en fait,
on demande de calculer l'intégrale de cette fonction. Voilà. Donc, on va d'abord écrire ça ici. 0, 1, x carré, 2x moins 1 au carré, dx. C'est bon? Voilà. Et ici, on demande de calculer l'intégrale de cette fonction. Mais on va voir si la fonction qu'elle a, on va chercher sa primitive. C'est ce qu'on a demandé de faire. La première chose, c'est de voir si on peut trouver facilement la primitive de cette fonction. On voit une fonction exposant. Du coup, on peut penser à dérivée de f exposant n. Parce que vous voyez, la dérivée de ça, ça va donner n f prime f de n n moins 1. Du coup, pour que ça puisse respecter cette forme, on va voir que notre fonction qui est là soit la dérivée de ce qu'elle a. Or, on va que dériver de 2x plus 1, 2x moins 1, pardonné, ça nous donne 2. Or, ici, on a x carré. Donc, c'est pas ça. Donc, or, nous, dès qu'on voit, c'est à ça seulement qu'on peut penser. Si ça ne marche pas, alors on va utiliser l'intégration par partie. C'est bon? Donc, ici, on va poser, en nous posant, u' de x. Ici, on va choisir, entre les deux fonctions, on choisit une fonction, comme notre u' de x. Mais sinon, on va prendre u de x égale à x carré. C'est bon? Et puis on va prendre v de x égale à 2x moins 1 au carré. Si u de x est égal à x carré, une primitive de u, ça va pas. De u prime, ça va faire. On sait que c'est la fonction de dérivée pour avoir x carré. On sait que c'est x exposant 3. Voilà. Du coup, ça va faire. Ça va normalement avec 1 tiers multiplié par 3x au carré. Voilà. 3x carré, on sait que sa dérivée c'est quoi? C'est x au cube. Ouais. Dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Donc, quand on voit comme ça, on sait que c'est sa primitive, ça sera. Ici on aura u de x. Les 1 tiers sont là d'abord. Et ça, ça donne x au cube. Voilà. Donc, on a v de x égale à ça. Si on dérive v de x maintenant va nous donner quoi? Dérivé de ça. On d'abord le 2 va descendre. Ça fait 2 facteur de quoi? La dérivée de 2x moins 1, c'est combien? 2. Donc 2 fois 2. Et puis on écrit la fonction m. 2x moins 1. Donc voici la dérivée de v. Donc on va maintenant écrire avec cette formule. Intégrale de x carré. 2x moins 1 au carré de x sera bien égal à 0, 1 est égal à, on dit crochet, on met crochet, et on dit ici, on met u de x et v de x. U de x, on a eu quoi? 1 tiers de quoi? De x au cube. Multiplié par v de x, on a eu 2x moins 1 au carré. Voilà. On dit moins. L'intégrale sur. Bon, ici, on met les bornes. 0, 1. 0, 1. De quoi? On dit u de x. U de x, on a eu quoi? 1 tiers. De x au cube. Multiplié par quoi? V prime de x. V prime de x, on a eu 2 fois 3, 4. Donc, on a eu 4. 2x moins 1. Voilà. Dx. Merci. Donc, ici, ça va nous donner. Ici, on nous dit que. Ici, on sait que ça va faire d'abord l'image de 1 par cette fonction, moins l'image de 0 par cette fonction. Est-ce que vous voyez? 1, ça va faire 1 au cube. Est-ce que vous voyez? L'image de 1 par ça, on remplace tous les x par 1. 1 au cube fois 1, ça fait 1. Donc, ici, on aura 1 tiers. Ici aussi, on remplace x par 1. Ça fait 2 fois 1, 2 moins 2, ça fait 1. 1 carré ça fait 1. 1 fois 1 tiers ça fait 1 tiers. Du coup ça fait tout ça en 1 ça fait 1 tiers. Moins l'image de 0 maintenant. X exposant 3. Ça fait 0 exposant 3, ça fait 0. 0 fois tout ça, on ne réfléchit plus. 0 fois ça, fois ça, tout ça, ça fait 0. Tout ça fait 0. Donc 1 tiers moins 0. Mais 1 tiers moins 0 c'est quoi? 1 tiers. Donc on va écrire 1 tiers en même temps. Voilà. Donc ici on aura 1 tiers. Donc tout ça donne. 1 tiers. Voilà. Maintenant, on va être quand même, c'est plutôt rapide.
aura 1 tiers moins 0. Voilà, on a ici. Moins l'intégrale de nous. Ici, ceux qui n'ont pas le x vont sortir. 1 tiers et 4 vont sortir. Donc on a 4. Ça fait 4 tiers. 0, 1. Ici, il va rester plus au cube. Partez de quoi? 2x moins 1. 2x. Voilà. Ici, ça va nous donner 1 tiers. Voilà. 1 tiers moins 4 tiers. Intégrale de quoi? 0, 1. Ici, on va développer. Est-ce que vous voyez? Si on développe ça avec x, avec 2x, est-ce que j'en 4? X au cube, x avec 2x, est-ce que j'en 4? Moins x au cube. Voilà. On aura 1 tiers. Ce qu'on a fait, c'est que. Bon, ici ça va faire 1 tiers moins 4 tiers. On va maintenant chercher les primitives de cette fonction-là. On sait que x est moins 4. Sa primitive, c'est quoi? Normalement, la fonction que nous dérivons, c'est x est moins 5. Est-ce que vous voyez? C'est x est moins 5 qu'on dérive pour avoir x est moins 4. C'est bon? Du coup, ici, on aura 1 cinquième fois, on va écrire 2 fois 1 cinquième fois 5. Si on met 5, si on met 1 cinquième, fois x est exposant 4, moins, bon, on n'est pas encore à la primitive, hein, 0, 1. Si on a 1, 2 fois 1 cinquième fois 5. X est exposant 4 moins. Est-ce que vous voyez? Ici, si c'est x exposant 3, c'est que c'est x exposant 4 qui sont dérivés. Du coup, ici, on met un quart. On peut mettre le 4 à côté ici. Voilà, le x. Merci. Ça va nous donner ici 1 tiers moins 4 tiers. Ici, maintenant, on a bien la primitive. Si on a bien la primitive, 5x exposant 4. C'est que ça, sa primitive c'est quoi? C'est x exposant 5. Donc, ça va rester pour multiplier la primitive. Ça va être 2 cinquièmes fois x exposant 5. C'est-à-dire, lorsqu'on met le crochet, on prend maintenant les primitives. Moins le 1 carré là, 4x au cube. Sa primitive c'est quoi? X exposant 4. Voilà. Parce que c'est x exposant 4 qu'on dérive pour avoir 4x au cube. Donc, on aura 1 tiers par 1 quart de x exposant 4. Voilà. Tout sur l'intervalle quoi? 0, 1. Ici, on va calculer l'image de ça par 1. Alors, on va envoyer tous les x par 1. Ils avaient 1 exposant 5, ça fait 1. Donc, ici, va rester 2 cinquièmes. Ici, aussi, ça fait 1. Donc, ça fait 2 cinquièmes moins 1 quart. On calcule ici rapidement. 2 cinquièmes moins 1 quart. Ça va donner quoi? De nous, combien j'ai 20? Ici, on multiplie par 4. 4 en haut, 4 en bas. Pourquoi? Pour avoir le 20. Donc ici on aura 4 en haut, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Ici on aura 8. Ici aussi, pour avoir le 20, on va multiplier en haut et en bas par 5. Du coup ça fait moins 5. 8 moins 5, ça fait combien? 3. 3 sur 20. C'est bon? Donc l'image de 1, ça sera 3 sur 20. On va continuer ici. On va continuer ici. Donc ici on va mettre 1 tiers moins les 4 tiers. Et ici, on va calculer l'image de 1 de cette fonction. Donc, on va remplacer tous les x par combien? Par 1. Ça fait 1 exposant 5, ça fait 1. Donc ici, il va rester 2 cinquièmes. 2 cinquièmes moins 1 quart. Ça va faire combien? 1 quart fois 1. Ça fait 1 quart. Donc ici, on a 2 cinquièmes moins 1 quart. Voilà. Du coup, nous, on va essayer de calculer ça rapidement. 2 cinquièmes moins, voilà, pardonnez, c'est pas encore fini, pardonnez, voilà, je m'excuse, c'est pas encore fini. Donc 2 cinquièmes moins 1 quart, on va calculer 2 cinquièmes moins 1 quart. On sait que le dénom commence à combien? C'est 20, c'est 5 fois 4, c'est 20. Et on va multiplier en haut en bas par voir les 20, par combien? Par 4. Donc on aura 4, on aura 8, moins, on multiplie en haut en bas par 5 pour avoir le 20. Voilà. Donc ça va être 8 moins 5, ça va faire
3 sur 20. Voilà. Donc ici on aura 3 sur 20. Moins l'image de 0. Là on va être l'espace 0. Nous avons 0 fois ça, ça va donner 0. 0 fois ça, ça va donner 0. 0 moins 0, ça va donner 0. Donc ici on aura 0. Donc ici, si on, lorsqu'on regarde bien, on va multiplier ça par ça. Or, en multipliant, on aura 3 en bas, 3 en haut. On va simplifier la 3. Dans 20 à 4. Donc si on enlève 4, on enlève 4 ici. Ici, il va rester 5. Il va rester 4 pour 5, donc 20. Donc ici, on aura 1 tiers moins. En haut, il va rester 1. En bas, il va rester 5. C'est bon? Donc ça, le dénominateur commun, c'est 15. Et on va multiplier en haut par 5 pour avoir les 15 là. Donc en haut on aura 5 moins. Ici en haut on par 3 pour avoir les 15. On avait 5 moins 2, 5 moins 3 sur 15. Du coup on aura 2 15e. Voilà. Voici un peu l'intégrale de notre fonction ici. 2x moins 1 au carré de x. Voici un peu comment il faut se défendre. Voilà, c'est-à-dire ici, on ne peut pas tout vous donner, mais on vous donne un exemple. Et à partir de ça, vous devez être capable de pouvoir faire tous les types d'exercices en fait. À vous, à chaque fois, de retrouver, chercher une prime de x, une prime de x qui vous arrange. Et puis après, vous prenez v de x aussi qui va vous arranger pour que ce soit facile en fait. Voilà. Toujours dans l'intégrale d'une fonction, nous allons maintenant parler de la notation f de x, de x, avec ce symbole-là. Est-ce que vous voyez? Mais cette fois-ci sans les bornes. Donc ici, on n'a pas de. On ne précise pas l'intervalle sur lequel on travaille. Et nous, on veut travailler seulement avec ce symbole-là. Partout, vous allez voir ce symbole sans les bornes. Alors il s'agit simplement de la primitive de f. Est-ce que vous voyez? Là, on va ici écrire que ce symbole-là, en fait, représente. La primitive. La primitive de qui? De f en fait. Du coup, ici, on a écrit f de 10, c'est dans la intégrale. Est-ce que vous voyez? Mais sans les bornes. Donc, si on note ici grand f la primitive, du coup, grand f de 10, c'est égal à l'intégrale de f de 10 de x. C'est bon? Donc, voici, partout vous allez voir cette. Notation sans les bornes, alors il s'agit de la primitive de la fonction qui est à l'intérieur ici. C'est bon? On peut donner par exemple f de x est égal à 2x exposant 4. Voilà. Donc ici, nous on va chercher la primitive de 2x exposant 4. Donc ici, on va écrire est égal à quoi? On met ça comme ça. Et on écrit 2x exposant 4 de x. Voilà. Du coup, ça va nous donner ici, ça on va transformer, parce que normalement, vous trouvez x exposant 4, c'est que si on veut la primitive, c'est que ça, ça devient dérivé, et on sait que c'est x exposant 5, on dérive par x exposant 4, c'est bon? Du coup ici, le 2 est là, multiplié par... Normalement, il doit y avoir 5 quelque part ici. Mais ici, on a dérivé, c'est que 5 a descendu. Donc, on doit avoir 5, x est toujours 4. C'est ce qu'on aimerait avoir. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de 5, nous, on va mettre 5. Mais en même temps, on va multiplier par 1 sur 5. Voilà. Et on va mettre des x. C'est bon? Du coup, ici, on aura. Du coup, ici, on aura ça. 2 fois 1, 5 peut sortir. Hein. Ça fait 2 sur 5. 5x est toujours 4 de x. Voilà. Ça, ça va faire la primitive de. La primitive de 5x est toujours 4. On sait que 5x est toujours 4, ça produit c'est quoi? C'est x est toujours 5. Voyez, lorsqu'on dérive x est toujours 5, on tombe sur quoi? 5x est toujours 4. Du coup, on va faire ça. Tout ça, on va faire 2, 5, multiplié par quoi? La primitive qui est x est toujours 5. Du coup, ici, on aura f de grand x qui est égal à. 2 sur 5 qui s'est fait dans 5. Donc ici c'est juste pour vous dire que partout vous allez voir ce symbole sans les bornes, alors il s'agit simplement d'une primitive. C'est la primitive qu'on devait chercher et non le calcul même de l'intégrale. Voilà, c'est différent. Ça veut dire primitive. C'est différent du
calcul de l'intégrale. Calcul de l'intégrale, on doit calculer f de b moins f de a, tout ça. Mais ici, c'est la primitive seulement qu'on cherche. Lorsqu'on ne précise pas les bornes. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant l'intégrale d'une fonction. Merci de nous suivre et à très bientôt.